Bonjour, je vous présente Patricia Prunier. Je vous présente Pascal O. Nous sommes deux artistes plasticiens qui avons décidé de collaborer pour réaliser l'œuvre qui se trouve juste derrière nous, à savoir une structure métallique de 4 mètres de diamètre pour 2 mètres de hauteur. Alors, dans cette œuvre, on voit des plaquettes qui sont posées. Donc, ce sont des plaquettes en bois. On a décidé de fabriquer des plaquettes de ce genre-là, tirées de récupération de palettes. Donc, dans le contexte du recyclage et dans un concept qu'on a intitulé Horizon Terre. Donc, on a baptisé effectivement cette structure Horizon Terre dans le but de créer une œuvre interactive, à savoir faire participer le public à la réalisation même de l'œuvre, une œuvre participative. Donc effectivement, c'est pourquoi Pascal O vous parlait des plaquettes sur lesquelles les gens sont invités à écrire ou dessiner, ou écrire et dessiner sur ces plaquettes. Alors l'objectif donc de cette participation, c'est de faire réfléchir les gens sur leur relation avec la nature, avec la terre. Et donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a symboliquement repris une forme de demi-sphère pour faire écho à la forme de notre planète. Voilà. Après, on crée aussi une interactivité avec le public qu'on invite à faire ses photos ou ses selfies devant la demi-sphère ou avec leur claquette accrochée. Pour ensuite poster par Facebook ces photos, en tout cas de gens qui participent et qui créent cette interactivité. Alors le Facebook s'appelle Terra Horizon. Vous trouvez sur Facebook, mais c'est affiché en bas là. Oui. Et puis il y a un mail aussi qui va être affiché aussi en dessous pour nous contacter à des fins professionnelles de réalisation artistique, par exemple. Ce qui est peut-être intéressant aussi dans cette œuvre, c'est que finalement, comme petit à petit, les gens viennent remplir des plaquettes, les accrocher sur la structure. Donc c'est une œuvre qui change au fur et à mesure du temps. On pourra vous montrer effectivement éventuellement des images de la structure au départ, de la structure au milieu et de la structure quasiment remplie de plaquettes réalisées par les gens. Donc une œuvre interactive qui évolue au fur et à mesure du temps. Alors il faut signaler aussi qu'on a commencé au mois de fin avril dans le cadre d'une exposition qui s'intitulait Bois Passion. Et nous allons continuer encore un tout petit peu de temps, le temps d'une autre exposition qui va s'installer au mois de juin, du 1er au 25 juin, qui est sur le thème des animaux et qui s'intitulera Le printemps des artistes. Donc on est toujours dans notre relation avec la planète, à savoir la manière dont on l'habite, la manière dont on la respecte ou pas. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite bonne visite et puis venez à bientôt. Et à bientôt.